Y'a personne là-dedans! Tu sais ce qui se passe? Les autres passagers ont pas eu de panne de réveil. On s'est réveillé 90 ans trop tôt. C'est un cauchemar. Il faut qu'on retourne dormir. Les commandes, les machines, nous n'avons accès à rien. C'est clair qu'il se passe autre chose. Donc on est coincé dans un vaisseau en perdition. Il y a 5000 autres personnes. Faut qu'on trouve une solution. Ce n'était pas un accident. Jim ! On ne s'est pas réveillé par hasard. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais y aller. Non, pas... Si j'y vais. Non, lâche personne ma n'entrera là-dedans. Parce que je l'interdis, c'est bien trop dangereux. Ouvrez la porte ! Ces créatures ont décimé Mars il y a des millions d'années. Si nous la laissons arriver sur Terre, nous mettons en danger toute l'humanité. Tuons cette chose. Bonne nuit, la lune. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, mon doudou. Et la lune. Bonne nuit. Et fais de doux rêves. Quel est l'instinct prédominant de toute forme de vie? Survivre. Bonne nuit, les étoiles. Toutes les liaisons sont coupées. Bonne nuit, la Terre. On entrera dans l'atmosphère dans 39 minutes. Nous n'y survivrons pas. Et peut-être que lui-ci. Bonne nuit, les enfants de la Terre. Putain, qu'est-ce qui se passe? Risque de dommages collatéraux sur les systèmes de survie. Non. On va mourir ici. On ne va pas mourir ici. Commandant! Vous mourrez. Tout l'équipage meurt. Nous avons assez d'oxygène pour garder les 4 membres en vie. Affirmatif. Il reste donc seulement 4 membres. Négatif. 5 membres d'équipage. Qui est le 5e membre? Inconnu. Survivra. Pas vos parents. Pas vos enfants. Pas même le soleil. Nous devons faire de Mars notre avenir. Où l'humanité est condamnée. Pareil, c'est le jour J. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Messieurs, nous allons dîner sur Mars. Unité d'exploration, ici Mars 1, vous me recevez? À vous. Unité d'exploration, ici Mars 1. Une nouvelle mission a été lancée pour enquêter sur cette énigme. C'est moi 6. Dis-le. 5. Nous prévoyons. 4. Dis-le. 3. Que demain matin. 2. Dis-le. 1. Vous aurez le feu vert. Oui. Mise à feu. En route pour Mars. Décollage. Ce que la mission découvrira. On dirait de l'ADN humain. Changera ce que nous savons de la vie sur Terre. Ce serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Nous pouvions être les derniers explorateurs à venir sur Mars. L'univers est un réseau. Je refuse de te perdre. Un réseau où la vie recherche la vie. Mission to Mars. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer.
La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis, à un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est, c'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie ? Houston, on a un problème. On a une méchante vibration. Houston, on a une fuite de quelque chose qui serait pas dans l'espace. C'est un gaz de nature indéterminée. Leur rythme cardiaque s'accélère. Le vaisseau spatial Apollo 13 est en train de perdre ses réserves d'oxygène. Cette avarie rend impossible toute tentative d'alunissage. Dis maman, pourquoi il y a autant de gens ? Quelque chose s'est cassé dans le vaisseau spatial de ton père. La presse vous demande de coopérer. Vous poserez la question à mon mari. Il sera de retour. Vendredi. Nous avons perdu le contact radio. Que disent les ordinateurs ? Quadruple défaillance. C'est pas possible, c'est sûrement un instrument qui déconne. Le vaisseau se vide de son sang. Si on fait ça, on va être projeté hors de l'atmosphère et on pourra plus revenir. Il leur reste moins de 15 minutes de réserve d'oxygène. On n'a jamais perdu un Américain dans l'espace, et c'est sûrement pas aujourd'hui qu'on va commencer. Odyssey, vous me recevez ? Il nous faut combien pour rendre le module opérationnel ? 2 heures d'après la liste de contrôle. C'est beaucoup trop, on n'a pas le temps. C'est un trésor. Mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. La génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Vous êtes le meilleur pilote qu'on ait jamais eu. Allez là-haut, sauvez le monde. Tous prêts à dire au revoir à notre système solaire ? À notre galaxie. C'est parti. On y est. On veut descendre en vitesse, non ? On veut surtout arriver en un morceau. Attention. On a une mission. Notre mission est sans objet si les habitants de la Terre meurent avant qu'on la mène à bien.